Salut, 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 salut à toute la famille chrétienne du monde entier. Je vous salue au nom de notre Père Céleste qui est le Créateur de l'univers et toutes choses qui se retrouvent ici sur notre terre. Alors, votre émission, l'histoire de la Bible, qui est présentée par votre frère Gédéon Kiala. Alors aujourd'hui, c'est notre cinquième partie de notre histoire de la Bible. Et la quatrième partie, on avait parlé, c'était le livre de l'Exode. Et puis l'autre jour, continuer cinquième partie, Nabiso. Et puis tout continuer la suite, il y a le livre Exode. Alors, on est de la semaine passée, tout le bac qui bon, le livre Exode. Tout le monde a dit qu'il y a un livre et puis le livre Exode, il y a un livre Tout le monde a dit qu'il y a un livre Exode. Ils ont parlé de bongo sur la naissance il y a Moïse. Alors, tout ce qui va appeler Moïse, à Botamaki, et puis, comme il y a le Kababomae, c'est là où on avait arrêté, c'était la semaine passée. Maintenant, on va continuer aujourd'hui sur notre cinquième partie, et on parle toujours l'histoire de Moïse, c'est concernant le livre d'Exode, et aujourd'hui, on va parler encore la suite du livre d'Exode. Alors, sans plus tarder, on va dire ceci. Moïse est né le 7 Adar. Le 7 Adar, c'est bien le même, c'est le calendrier juif. Pour nous, les francophones, Moïse est né le 7 juin, parce que le mois de Adar, c'est le sixième mois de notre calendrier, de calendrier juif. Pour nous, les francophones, c'est au mois de juin. Malgré l'année que Moïse a née, n'a pas été citée dans la Bible, c'est seulement le mois et le jour qui était cité, le 7 Adar, on ne sait pas, la Bible n'est pas prédit et on n'a pas écrit l'année où Moïse est né. Alors, il a écrit seulement le jour et puis la date. Alors, pour Baboué, d'abord, le mot Moïse, c'est en français. Parce que nous, le traducteur va traduire la Bible tout le temps en ming na langue au biso do yebi. Parce que les mots Moïse et Outiwa, puis car sa mère l'avait enfanté, Moïse n'avait pas le nom. Il y avait seulement l'enfant. Aussi longtemps que trouble les élèves qui n'ont pas au Canada, la terre, on peut savoir la commune des élèves qui peuvent venir à Bombakimona. Alors, on va découvrir ensemble le nom de Moïse et Outakiwa. Alors, sans plus tarder, on va prendre la Bible. Entre vous et nous, on va prendre la Bible pour voir un peu, pour découvrir ce qu'a le Moïse et Outaki. Toujours bongo. Livre à Exode, chapitre 2, le verset 5. Exode, chapitre 2, verset 5. Là, on nous parle d'abord. Tant Moïse, l'eau est bimagi que babou mabana miki, maman la banga joua ki a tchaki na panier, et puis a tchaki na fleuve Nil, à banier kouka. Tika ki panier ne ki yango mote, cette panier-là était accompagnée, derrière la panier était accompagnée avec sa sœur, Myriam, la sœur de Moïse, tandis que l'on a la panier, voilà. Alors, on va lire Exode chapitre 2, le verset 5. Je lis ce qui suit. La fille du Pharaon descendue vers Nil pour se baigner et ses compagnes se promenèrent au bord de Nil et il aperçut le coffre au milieu des ruisseaux et envoya ses servantes pour le prendre. Elle ouvrit et vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. En elle ayant pitié et dit, cet enfant, c'est un enfant des Hébreux. Alors la sœur de l'enfant dit à la fille du Pharaon, faut-il qu'il j'aille appeler une nourrice parmi les femmes des Hébreux et allaiter cet enfant pour qu'on lui compte? Alors la fille du Pharaon lui répondit, oui, jeune fille, allez donc appeler la mère de l'enfant. Alors, ce qui est dans Exode chapitre 2, verset 5, Sorokititi, dans verset 10, tu vas aller voir, il y a une histoire, tant que Moïse dans le panier, voir, pas de bonnet, mais il y a un colanda. Alors, il s'était arrivé que non, il y a Pharaon, il y a un colanda dans le fleuve Nil. Alors, à mon panier, il y a un colanda flotté, il y a un maï, il y a une servante, il y a un colanda. Et tant que tu as un colanda, il y a un garçon, moi, je suis un colanda. Alors, c'est là qui, bongo, un beau garçon aussi, comme qu'il était beau d'abord, le garçon. Alors, la fille, comme sa sœur, elle était en train de le suivre et elle ne savait pas que Zakine devant Moïse,
Alors, Batinda qui a senga posa qui moi la fara senga qui moi la fara ombe bosenga que est-ce que zali moyen luka moi si moko na kati ya baebelo a ko lecteur moi na oyo. Alors sa requête elle était accordée par la fille de Pharaon et Miriam elle était accourue près à kenero bien kaka mama kaka ya bango moko a bota ki Moïse nde ayaki ko sala au secours ya komesa moi la mutu oyo azalaki Mutu oyo azalaki ko mère adoptif ya Moïse komone ezalaki Bitian parce que c'était un égyptien zaki mon pharaon. Malgré tout la loi était ordonnée qu'on doit tuer tous les enfants mâles qui vont naître sur terre égyptien comme la loi même si la loi est quoi on a zaki Moïse zaki mon a ya nkumu do mon a mokondi so qui a lobby alors moi autrement ça la maizate alors alors, c'est aussi dans Genèse. Et si on prend, comme je viens de dire, si on prend la Bible sur Exode chapitre 2, le verset 10, là on va voir le nom de Moïse était cité parce que quand on l'avait pris dans les eaux du Nil, l'enfant en question, il n'avait pas le nom. Alors la Bible dit ceci, la Bible est écrite ceci. Quand l'enfant y grandit, elle amena la fille du Pharaon. Et celle-ci le prit pour fils et lui donna le nom de Moïse, car elle a dit, c'est un enfant que j'ai tiré des eaux. Donc, le mot Moïse, c'est en hébreu qui, nous on appelle Moïse, mais en hébreu c'est Moshe, qui signifie tiré des eaux. Le kabazoua qui est nama inde, sans se commenter avec l'accent. Alors, pour savoir ceci, le père de Moïse, son nom c'était Amram. Là, c'est le père biologique de Moïse. Et la mère biologique de Moïse, c'était Iokabed, comme c'était le Lévi, il y avait des tels noms comme ça. Et les Batian, c'était la mère adoptive qui avait adopté Moïse, c'est elle qui avait donné le nom de Moïse. Alors, c'était arrivé, Moïse, il a grandi à la maison du Pharaon, et quand il a grandi, il a découvert que non, les esclaves qui ont en train de maltraiter, ce sont leurs propres frères de sang. Alors Moïse azalaki na choité a commencé pour gota là pour diminuer un peu les travaux monsieur zaki pénible pour les Hébreux lui il avait y a bané coordonné un peu bas sens monsieur zaki ça va lui courir là bas monsieur alors tant à monnaie qu'un jour azo bimana la cour royale à monnaie des Égyptiens à monnaie égyptien et Hébreux bazo disputé alors Moïse comme il était enflammé du colère à Bomaki Égyptien mon après à Kundaki quelque part et la deuxième occasion encore quand il était sorti de dans le palais royal, il a vu Bandekouni Moskouazo Swana entre les deux Hébreux, il était en train de disputer. Moïse a appelé que ça va, on va dire non, toi tu ne peux jamais nous être au banc, nous sommes égyptiens. Alors, c'est là que Moïse, moi, au Banga, et puis il avait fuite à Kimaki parce que Pharaon a commis au Luka Boumaé. Alors, au Kinda Kimaki, à Kenekoustouré Bongo, na. Pays de Madian, là qu'il n'est qu'on retrouve Nani, j'ai trop. Alors, tant Moïse a commis dans Madian, a commis qu'il y a beaucoup là-bas, pâté, à côté de Nani, j'ai trop. Alors, le service qu'il avait rendu à Jétro l'avait lui a donné, l'avait donné à Moïse, sa fille, elle nommait Zipora. Zipora, c'est en hébreu, en français, c'est Sephora qui signifie un petit oiseau, donc des Kamouké. Alors, tant après, si Moïse, Sephora, alors Moïse a oumé la guité pour ceux qui ne savent ou pour ceux qui ne savent pas. Avant Moïse a bota Eliezer, a bota qui moi na liboso avant Eliezer aya. Oye bakombo ya moi na wana soko lingwe bakombo ya moi na wana. Eza bongo na Exode chapitre 2, le verset 21 à 21 à 22. Exode chapitre 2, le verset 21-22. Et la Bible dit écrit ceci. Moïse se décida à rester chez cet homme qui donna sa fille Zipora à Moïse. Elle accoucha un fils auquel il donna le nom de Gershon, car ce nom signifie nous sommes étrangers dans cette terre. Donc le premier fils de Moïse était Gershon avant que Eliezer soit venu au monde. Alors, quant à moi, je vous dis un grand merci
Nabinos ba yebozo la nabiso en tout cas merci Nabino Mingi ou ezala ki bongo ndeko Nabino le sous frère Gédéon sur notre émission toujours c'est notre émission histoire de la Bible et ceux qui n'ont pas abonné à la chaîne Nabiso T nazo ko senga na yo ko s'abonner na chaîne Nabiso Congo Canada TV pe ko zanga te ko activer cloche à notification pour na rater ba épisode mosusu ezali koya na sima. Alors quant à moi je vous dis au revoir. Peut-être aux gens à couper ça les sous sur ma tonne mingi, peut-être couper ça sous merci mingi. Nandeko, oh ya zali ko bon ça mais man sur pour tous les Canadiens, bon nandele tando na bina ike, ils allaient bon nandeko de best si on peut y avoir posé na Canada. Si kaya tinzambe a pambolo ma kache pa baxer le sous mais les musulmans pour ça la kabouye. Quant à moi, je vous dis au revoir, à nous revoir la semaine prochaine pour na kosa la clôture. Y a livre on a dit sur Exode depuis trop parler. Troisième livre. Il y a Ancien Testament, Rosalani, ni on a tout le temps dans l'épisode de l'Ukoya. Merci, été. Bon week-end à toute la famille chrétienne. Pé, nous sommes en bon moi. Ce qui n'a pas à l'ombre, biso, pé, ma bon moi, oyote. Tout le temps du bon moi, que la semaine de l'Ukoya, bon moi, messano. Bote mingi, pé, ma tonne mingi, na katama, bote na biso, manso.